Découvert dans 10 couples parfaits, Ilan Castronovo est rapidement devenu un candidat emblématique de télé-réalité. Plutôt apprécié des productions, le jeune homme a participé à pratiquement tous les programmes du genre, tels que Le Cross des Marseillais, Les Princes et les Princesses de l'Amour sinon Mounedir et Les Apprentis Aventuriers. Surnommé le Charo, Ilan a fait tomber dans ses bras nombre de ses collègues féminines, comme Ilona Go, Vanessa Lawrence, Chaney Langlais, Victoria Mo, Giuseppa Siurleo ou encore Isabeau de la Tour. Seulement, alors qu'il semblait bien parti pour faire une grande carrière à la télévision, tout a subitement pris fin l'an dernier lorsqu'Alix Desmoineaux a accusé un candidat d'agression sexuelle sur mineur. Très vite, le nom d'Ilan Castronovo est ressorti sur les réseaux sociaux. Par la suite, d'autres jeunes femmes l'ont accusé des mêmes faits et Ilan vient récemment d'être cité dans une affaire de viol. Bien qu'il ne cesse de clamer son innocence depuis toutes ces révélations, Ilan a depuis été définitivement écarté des programmes et maintient désormais sa notoriété sur les réseaux sociaux. Ilan Castronovo @Instagram Ilan Castronovo attaqué sur les réseaux sociaux. Cependant, tous ne sont pas franchement ravis que le Lyonnais continue à faire parler de lui. Aussi continue-t-il à recevoir de vives critiques sur la toile, auxquelles il ne manque pas de répondre. Il s'est affiché à plusieurs reprises en pleurs dans ses stories, suppliant ses détracteurs de bien vouloir cesser de l'insulter et de le harceler. Mais pas de quoi attendrir ces derniers, qui viennent à nouveau de le tacler pour une toute autre raison. En effet, cette fois-ci, ce sont les nombreuses fautes de français d'Ilan qui ont été pointées du doigt par les internautes. Comme chacun sait, la plupart des candidats de télé-réalité a de sérieuses lacunes en orthographe et en conjugaison. Mais si ces remarques auraient pu être ignorées, elles ont eu le don de mettre Ilan en rogne et l'ont poussé à réagir. Et il n'a pas mâché ses mots. Je craque, je suis humain dans ses dernières stories Instagram, celui qui vient de s'en prendre à Booba est complètement sorti de ses gonds et a employé un langage plus que fleuri pour mettre les choses au clair, je vous jure, vous me forcez à être vulgaire. Je ne sais pas écrire le français mais ça ne sert à rien dans ma vie, ça ne remplit pas mon frigo, s'est-il justifié, avant de lâcher, hors de lui, en où est ta mère toi, je ne peux plus, vous m'avez saoulé. Je me fais insulter depuis un an, je craque. Je suis humain. Je ne me focalise que sur le négatif. Dès que je fais une vidéo, vous la reprenez tous. En où est ta grand-mère? Un message on ne peut plus clair.